vous regardez RTL. RTL, l'invité des petits matins. Bienvenue sur RTL, 6h15, et ce matin on a choisi de décrypter cette grande première, le premier accord pour des ruptures conventionnelles collectives. C'est l'une des nouveautés des ordonnances Macron. Elles permettent aux patrons de se séparer plus facilement de salariés sans pour autant justifier de difficultés économiques. Et bien chez PSA, un projet sera signé aujourd'hui pour 1300 départs. La majorité des syndicats a dit oui. Bonjour Franck Don. Bonjour. Vous êtes délégué CFTC avec FO et la CFDT, vous signerez ce texte. De l'extérieur, ça paraît surprenant. On entend depuis des semaines les leaders des syndicats, même les plus modérés, expliquer que ces ruptures collectives sont un danger pour les salariés. Et vous, vous dites oui. Expliquez-nous pourquoi. Pour deux raisons. La CFTC a décidé d'apporter sa signature pour, d'une part, le traitement social de la mesure, à savoir que contrairement à ce qui a pu être dit, ce n'est pas un plan social. Ce sont 1300 départs volontaires sécurisés, donc avec possibilité aux salariés de revenir sur leur entreprise en cas d'échec à l'extérieur, compensés par 1300 embauches en CDI, 2000 emplois jeunes, et 900 congés seniors, c'est-à-dire la possibilité pour 900 personnes de bénéficier de 70 à 75% de leur salaire brut en quittant l'entreprise de 3 à 5 ans avant l'âge de départ légal à la retraite. Donc notamment pour les seniors, ce sont des conditions que vous jugez favorables? Pour tous les salariés concernés, ça ne peut être que des mesures favorables, d'autant plus basées sur le volontariat. Donc ça, si vous voulez, c'est le premier volet pour lequel la CFTC a décidé d'apporter sa signature. Il y a un deuxième volet, et qui n'est pas de moindre importance également. C'est l'avenir de nos entreprises. Et en particulier donc dans l'automobile, quand vous comprenez bien que je ne vais pas parler pour d'autres entreprises et m'axer essentiellement pour celles que je connais bien, l'industrie automobile. L'automobile, on voit depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, connaît un profond changement. Et il suffit simplement de voir l'interdiction future du diesel dans les grandes villes, de l'essence. On peut voir également que ça va certainement nécessiter l'évolution, l'accélération de la mise en place de véhicules électriques, de pourquoi pas de véhicules à pile à combustible. Nous sommes aujourd'hui dans le monde du véhicule connecté. Nous sommes aujourd'hui dans le monde de la digitalisation. Ce que vous êtes en train de nous dire, Franck Don, excusez-moi de vous couper, c'est que grâce à cette rupture collective, ça permet aussi de restructurer à froid une entreprise, de réembaucher 1300 personnes, peut-être pas d'ailleurs au même poste, peut-être à des postes plus spécialisés pour faire face à un nouveau marché, une nouvelle concurrence. Absolument, ça permet à l'entreprise de se mettre en adéquation avec les besoins sociétaux, environnementaux, économiques du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Est-ce que le risque, car c'est l'un des risques brandis par d'autres syndicats dans votre société, c'est que PSA fasse de plus en plus appel aux intérimaires et que finalement les 1300 emplois promis soient de la poudre de perlimpinpin ? Non, mais les 1300 emplois promis sont 1300 CDI, c'est pas de l'intérimaire. L'intérim dans le monde automobile a toujours existé. Vous savez, ça fait 35 ans que je travaille dans le monde automobile et le volet d'intérimaire a toujours existé, permettant une certaine flexibilité pour justement éviter des plans sociaux en cas de baisse d'activité. Merci beaucoup Franck Don, délégué CFTC, d'avoir été ce matin l'invité de RTL. Bonne journée à vous. Merci. RTL pour comprendre l'info.